du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Cher Monseigneur Grandjean, bien cher Monseigneur Yves Voltaire, vicaire général du diocèse, mes seigneurs, les vicaires épiscopaux des autres diocèses ici présents avec nous, chers membres de mon conseil, révérend père, très chers religieux et religieuses, chers paroissiens, chers frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes ce matin très heureux d'être avec vous pour la prise de possession canonique par Monseigneur Hervé Grandjean de cette paroisse sanctuaire. Et nous accueillons de tout cœur les confrères qui ont fait le déplacement. Nous saluons le très cher peuple saint de Dieu et à qui nous demandons de bien jeter son regard sur le nouveau berger que l'Église est venue vous confier. Disposons nos cœurs, à nous disposer que nous matins, frère Maxime, pour nous bien vivre célébration ça. Célébration dans le sanctuaire perpétuel secours, célébration 31e dimanche temps ordinaire année C l'église là, célébration journée 30 octobre ça, qu'on a demandé Jésus-Christ qui ressuscité bien vivant parmi moi, fait force la vie, force et lumière, vienne prendre, porter la victoire pour paroisse ça et fait que nous tous chrétiens, père, mère, frère, sœur capable vivre célébration nous capables de quitter bon Dieu, jeter le regard les sous nous. On demande pardon pour faute nous, pour célébration qui a fait bon Dieu plaisir. On chante qui hier. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Thank you.
Prions le Seigneur. Cette messe est une messe popopulo pour le saint peuple de Dieu, mais aussi nous prions pour le révérend Père, Monseigneur Hervé Grandjean, le curé nommé et le recteur nommé de ce sanctuaire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et nous prions également pour toutes celles et ceux qui se sont confiés à nos prières. Dieu de toute puissance et de miséricorde, tu nous permets en ce dimanche ensoleillé de célébrer la prise de possession canonique du sanctuaire par Monseigneur Hervé. C'est le garde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions, accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, il est Dieu pour les siècles des siècles. Quelqu'un au content, petite fille Sion, mais m'a venu. Le petit livre prophète Zacharie, chapitre 2, verset 10 à 13. Fais louange, fais qu'elle au content, petite fille Sion, parce que même m'a venu. M'a habité dans mi temps où, déclaration grand maître là. Jou sa, en pile nation ap kole koyo sou gamet la, yap toune pep mwen. M'ap habite nan mi tan ou, wap konen se gamet la meyo ki voye m kote ou. Gamet la ap posede jida kom posyon pal nan peyi ki sen. La ap chwazi Jerizalem anko. C'est pour toute chair, fait silence devant face grand maître là, parce que la plevée saute dans caille qui saigne. Parole grand maître là. Oh, c'est belle.
comme un bon Dieu qui en renaît plein. Plus passé toute fille, pour moi grand maître là pour tout temps. Oh, c'est belle de peuple noir. Oh, c'est belle de peuple noir. Le temps arrivé bout li, bon Dieu voyez petite Lia qui fait soutenant une fille qui fait en bas la loi pour être capable de délivrer nous-mêmes qui était en bas la loi pour nous être capable vin tourner petite adoptif. La preuve nous c'est petite c'est que bon Dieu voyez l'esprit petite Lia dans quel nous la prélé Abba, papa. Comme ça, pas gain esclave encore, mais c'est petite qui gagne. Si c'est petite, c'est héritier grâce à Dieu. Parole gomet là. Alléluia, alléluia. Salut Marie, ou même qui plein faveur, gomet là avec vous. Ou béni par ces toutes filles. Alléluia. Pour Maxemio, moi invite nous camper pour nous acclamer l'évangile là. Mettre avec nous tous. Mais bonne nouvelle, Jésus-Christ, d'après Luc qui sent. Laissa Jésus entrer Jéricho, la traversée ville. Yon messier, yon relé Zaché, qui était chef collecteur. Il était riche, il était cherché ouais Jésus, qui laisse lié, il n'est pas capable à cause de foule, parce que il était tout court. Il courait devant, il montait sur un pied figue France, pour l'ouel, parce que il était gain pour le passer là. Le Jésus arrivé côté ça, il levait Gilles,
Liwel lui dit, Zaché, fais vite, descendre, parce que je dis, c'est la caille où moi gagne pour m'arrêter. Lui fait vite, lui descendre, lui recevoir avec cœur content. Le tout le monde voit ça, il t'a babillé, il t'a dit, c'est quand ils ont péché là le manger. Zaché même campé, lui dit grand maître là, mais moitié bien mieux, grand maître, moi baille pauvre yo, si me dis voler, yo moun, moi remettre lui 4 fois plus. Jésus même dit, je dis à, délivrance l'arrivée pour Caïssar, parce que lui même tout, c'est un petit Abraham. C'est que petit monde n'en vini pour le chercher, pour le sauver, ça que t'es perdu. Acclamons la parole de Dieu. Très cher Monseigneur Yves Voltaire, vicaire général du diocèse, Monseigneur Hervé Grandjean, curé, recteur nommé du sanctuaire Notre-Dame du Perpétuel Secours, chers membres de mon conseil, Messeigneurs les vicaires épiscopaux du diocèse des Cayes et des autres diocèses ici présents, très chers pères, religieux, religieuses, autorités de la région, notables de Chalon, distingués invités, dévoués de Maman Notre-Dame, paroissiens de Perpétuel, très cher peuple de Dieu. Ce matin, comme je le disais tantôt, nous sommes rassemblés ici pour célébrer l'Eucharistie dominicale, mais aussi pour vivre cette messe en l'honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours, la patronne de cette paroisse sanctuaire. Et nous voulons nous laisser regarder par Dieu, car la Vierge Marie a été regardée par le Seigneur qui s'était penché sur elle et qui a fait d'elle une merveille dans l'histoire de l'humanité, dans la vie de l'Église et dans la vie de chacun de nous. À partir de ce regard divin posé sur Marie, Marie est devenue la reine, elle est devenue la servante des autres, elle est devenue aussi celle qui va triompher dans le livre de l'Apocalypse, des forces des ténèbres, des attaques de l'ennemi. Aujourd'hui, l'Évangile nous parle de beaucoup de choses, mais je voudrais m'arrêter d'abord et surtout sur ce regard divin posé sur Zaché. Dieu a posé son regard sur le berger à qui nous avons confié le soin de cette paroisse sanctuaire. Donc comme Jésus a voulu voir, a voulu regarder Zaché, et Zaché aussi a voulu voir Jésus, il est monté sur le sycomore. Ces deux regards s'entrecroisent et désormais il y a eu une rencontre. La rencontre de Zaché avec Jésus et la vie de Zaché va être transformée, transfigurée, élevée à dignité non plus d'un homme collabo des occupants romains, non plus d'un homme qui est devenu riche en peut-être volant de l'argent, mais plutôt un regard qui va redonner à Zaché un nouveau regard sur sa vie. Le regard du Christ va changer totalement les perspectives de vue de Zaché. Je dis à donc, nous venons pour nous présenter nouveau curé recteur de sanctuaire. Révérend Père Hervé Grandjean, nous tous qui, la commune Miragouane, nous connaissons déjà. Et c'est la Miragouane, l'église
gagne plus, l'église diocésaine gagne plus paroisses. Nous avons environ la commune Miraguana 12 paroisses. L'autre, c'était une paroisse par commune. Je ne dis pas, nous avons 12 paroisses dans la commune. Ça. Monseigneur Grandjean, tu travailles déjà dans le cœur Miraguana, dans la co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Il connaît la réalité à bien. Et sous route, là, nous avons cherché un profil qui est capable de rester au monde accueillant. Il y a un monde qui est accueilli, paye les dépassages. Il y a un monde qui est capable de quelques monde sorti bien loin, nous capables de faire ouéli pour que les accueillir dans l'église là. C'est comme ça, regarde bon Dieu, t'es tombé sous révérend père Hervé Grandjean, monseigneur Grandjean, pour lui capable de venir non seulement administrer, mais pour le prendre soin de brebis ayo pabo ici. Et plus encore, il y a la dimension de la paroisse locale, mais également la dimension du sanctuaire qui est un lieu ouvert, un lieu de culte dans l'église ouvert, ouvert à tous. Un lieu de culte où peut-être aussi des fidèles d'autres paroisses, d'autres diocèses pourront passer. Ici, depuis le début de la fondation de cette paroisse, nous avons voulu qu'elle soit une paroisse sanctuaire, un lieu source de la foi, un lieu de communion avec Dieu, un lieu de prière, un lieu de culte fervent à la Vierge Marie. Et parmi les richesses que nous gagnons dans le pays d'Haïti, que le peuple croyant à Maman Marie, c'est un héritage que nous gagnons. Et nous connaissons moi ça, qui moi, héritage peuple noir, c'est moi tout côté nous et les moi créoles dans le pays d'Haïti, c'est moi pour nous kembe ça nous gagnons comme héritage qui est dans les entrailles, moun pa nou yo, zanset nou yo, grand papa nou yo. Et donc ici, c'est là, dans Dieu César, nous voulons tout que lieu culte, Maman Marie comme Notre-Dame du Perpétuel Secours, patronne d'Haïti, patronne nous, capable de continuer à développer pour ici aller au monde venir, pour pas retourner la caillou, j'entayer. La parole de Dieu que nous avons écoutée, c'est une parole qu'on nous dit qui est le miroir de notre âme. Le regard de Dieu sur nous passe à travers ce que la parole de Dieu nous dit. Et cette parole, eh bien, devient la révélation pour nous de notre âme profonde. L'évangile d'aujourd'hui, cet évangile du dimanche, c'est l'évangile du regard. Jésus a levé les yeux et il a porté son regard sur Zachée. Il a posé ce regard sur lui. Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Frère Maxime, le regard de Dieu est un regard miséricordieux. C'est un regard doux, tendre, mais aussi ferme. Un regard pénétrant. Un regard qui illumine notre cœur, un regard qui nous touche dans notre monde intérieur. Et Zachée, c'était un homme mal vu par tous. Cela nous montre que le regard que Dieu porte sur nous est bien différent de celui que les autres portent. Occupant Romain, yo te wè Israël yon jan. Pharisien yo te wè bagay yon jan. L'autre monde t'a gardé bagaille aux gens. Mais Zachée était presque mal vu par tous. Mal vu. Eh bien, bon Dieu, montrez-nous, regard que le portait sur Zachée, son regard nettement différent. Son regard qui pral corriger perception monde capable de gagner son monde pareil. Alors, le regard de Dieu posé sur l'être humain l'élève, lui redonne sa dignité. Restitue l'être humain à lui-même. Et regard divin ça, elle fait briller dans nous profondeur, bonté, bon Dieu, que le déposer là-dedans. Jésus, levez yeux, les gardez Zachée, quand vous matin, elle a gardé nous chaque et nous toutes. Quand vous matin, en tout, elle déposer regard sur Père Grandjean, elle voulait faire regard ça, continuer à éveiller dans lui tout bon bagage, elle gagne comme ancien dans le ministère. Donc, on regard, pour nous tous, qui est bouleversant, plein d'amour, plein de bonté, un regard qui transforme également le regard de Zachée sur sa vie. Frère Maxime, désormais, à partir de cette rencontre des regards entre Zachée et Jésus, Zachée n'a plus besoin de se regarder lui-même. Se regarder soi-même, parfois, fait penser aux blessures du passé, aux souffrances qu'on a vécues,
aux malheurs profonds qui nous ont touchés. Quand Dieu nous regarde, nous n'avons pas besoin nous-mêmes de nous enfermer en nous pour nous regarder nos ténèbres. C'est saint Augustin qui avait fait cette prière en disant, Jésus le Christ, lumière intérieure, ne permets pas que mes ténèbres me parlent. Donne-moi d'accueillir ton amour qui est lumière pour ma vie. Et je crois que cette prière ce matin, nous pouvons également la faire, la réciter devant Dieu. Le regard de Dieu posé sur Zachée va renverser sa vie. Zachée va être complètement bouleversé, retourné. Et désormais, Frère Maximio, eh bien, croisement au regard ça, lui font nouvelle aujourd'hui commencer dans la vie de Zachée. C'est l'aujourd'hui de Dieu, c'est l'aujourd'hui d'une vie nouvelle pour Zachée. C'est l'aujourd'hui du salut, c'est l'aujourd'hui de la conversion. Ainsi, Saint-Irénée de Lyon nous dit, non seulement la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, mais la vision de Dieu, c'est la vie de l'homme. Les que vous capable de garder, vous comprenez, regarde bon Dieu qui est sous vous, la vie vous commencez dans l'autre gens. Ou pas même monde ailleurs encore, ou sont l'autre monde. Et la vision de Dieu fait basculer et chavirer notre vie. Rencontre, regard, Zachée avec Jésus, il provoquait une transformation totale capitale dans la ville, un revirement, un nouveau départ, un autre début. Ça ne relève en anglais, un turning point, une nouvelle initiative, une autre réalité tout neuf. Et c'est pour ça, je dis, nous venons commencer avec nous une nouvelle aujourd'hui dans la communauté. Un nouveau jour, un nouvel orbe, un work a commencé. Nous avons confié nous, Monseigneur Grandjean, qui veut exercer le ministère dans le temps nous. Trois ministères, trois fonctions, trois charges que nous connaissons, ce que nous appelons les triamunera. Les trois fonctions, la peut exercer à partir de perspective regard ça. Qui regarde, bon Dieu, gagne sur nous pour célébration nous, yo, liturgie nous, yo, sanctification, mounous, sanctificandi. Donc la charge de sanctification que la mi-temps nous. Qui regarde, bon Dieu, voulait poser sur nous à partir de belles cérémonies, à partir de célébration de la vie, à partir de prise de conscience que bon Dieu voulait que célébration nous tourne une rencontre de regard entre nous-mêmes d'abord et lui. Entre conscience nous, Jean Concile Vatican II dit lui, pour que nous fassions des célébrations côté nous participer de manière vive, consciente et pourtant, et en même temps de manière côté nous entrer dans la réalité de célébrer. Frère Maximio, donc je dis à regard neuf ça, bon Dieu posé, il doit toucher nous en profondeur. On regarde, bon Dieu, qui vient joindre nous côté nous hier, qui atteint nous, qui rejoint nous, qui parvenu à nous-mêmes et qui fait que nous rendons compte avant même Zachée de monter à le garder, c'est regard, bon Dieu, qui t'est précédé, qui t'est premier et regard ça, t'es grand temps, commencer dans la transformation. Nous-mêmes, toujours dis, avant que nous pensions, nous-mêmes, nous allons garder, bon Dieu, parce que par curiosité, parfois, eh bien, bon Dieu, déjà, t'as gardé la vie, nous. Et c'est pas de garder la vie, ça, à côté, nous taillé. C'est ce miracle du regard qui doit provoquer également, nous, la conversion. La conversion de notre propre regard, la conversion de nous-mêmes et la conversion du regard que nous portons sur les autres. Comment nous est l'autre mounio de bon côté nous? Hein? Ouais, mounio la politique, c'est l'ouvrier. Gen l'autre cap dit, gardez-moi danger. Gen l'autre cap dit, regarde-moi. Hein? Tout bagage sont question de ouais, mon ap gade moun. Hein? Et qui joue ouais moun? Les peuples souffrir. Ou pas ouais la souffrance, ou pas ouais, même si vous avez jour, ou pas ouais. Son problème nié, son tracas. Nous besoin ouais tout bon. L'évangile là, c'est miroir qui fait nous ouais. Comment bon Dieu garder, mais comment tout nous doit garder l'autre monde. Nous croyons que prise de conscience, ça doit être faite. C'est Antoine de Saint-Exupéry, auteur français, ça qui dit nous, on ne voit bien qu'avec les yeux du cœur, qu'avec le cœur. Ouais, bon Dieu, voulait ouais nous garder, voulait garder nous son regard intérieur que le poser sur nous pour nous développer nous-mêmes tout regard intérieur, le cœur, la profondeur de la vie nous. Un regard qui pas superficiel, un regard mystique qui cap
mettez tout bagaille ensemble pour nous connaître comment nous praler. Église, nous te parler en pile de ça nous relé voir, juger, agir. Sou pas ouais. Sou pas ouais vrai. Ou pas kabaji, bien. Sou pas ouais vrai. Qui juge mon bal voté? Ou le porter uniquement jugement négatif ou bien ou pas le porter jugement de résignation pour chita en place ou pas faire rien. Bon Dieu voulait que nous apprenions à garder tant couli. Regard profond sur réalité. Pas regard, nous les pessimistes, fatalistes, comme si il n'y a plus rien à faire. Nous sommes venus trop tard, dans ce monde trop vieux. Donc, même leur gado pas rien. Non. Donc, regard ça, Jésus porté sur Zaché. Son regard qui fait que Zaché capable agir ou l'autre gens, juger ou l'autre gens, portons l'autre regard sur la réalité. Et grâce au regard, ça a changé toute bagaille dans la vie Zaché. Et c'est même auteur ça, Antoine de Saint-Exupéry qui dit non, l'essentiel est invisible aux yeux. Si à Gédéon, regardez, manger, ou pas pour rien. C'est l'amour, l'encœur qui fait ouais souffrance, frère. Si on remet peuple, ou après souffrance, mon yo, ou résoudre question yo, si ça dépend de où. Et si on pas résoudre yo, ou qu'on prend décision de prendre pour permettre l'autre résoudre yo. C'est ça lié. Sinon, pas ouais. On va regarder manger, bah ouais, ou pas ouais, m'dou. Nous tous tournons aveugles. Les on peut pas aveugle, il peut tomber dans tout. Pas vrai? Nous comptons ça. Les on peut pas aveugle, il peut tomber dans tout. Bon Dieu, pas voulait pour nous aveugles. Il voulait que nous ouais et nous ouais bien. Et nous ouais bien. Fais Maxime yo, l'œil la foi pour nous. Son l'œil qui doit éclairer la réalité à pour nous. L'œil la foi, il pas cap superficiel. Il pas cap on bagaille quand on vernit. L'œil la foi, il doit aider nous comprendre qui décision nous doit prendre, qui ça nous doit faire. Il pas le bagaille tête chaud moun fou côté pour le craser brisé. Parfois, on craser brisé parce qu'on pas ouais vrai. Là, ouais, on compte qui décision pour prendre et on prend l'ensemble. C'est encore Antoine de Saint-Exupéry qui dit non. Et que l'amour, ce n'est pas de se regarder en face l'un l'autre, m'a regardé ou m'a regardé, mais l'amour, c'est de regarder ensemble vers la même direction. L'on bien gardé, les guerres et dans le n'a pas marché ensemble dans la même direction pour nous résoudre le problème pour nous affronter. Mais si la vie retourne depuis 200 ans, 215 ans, 218 ans, nous ne pouvons jamais affronter les bagailles, c'est que nous ne pouvons jamais côté nous aller. Et il y a l'autre côté dans le pays qui dit, si nous de côté nous aller, si nous de bien côté nous aller, les consens d'arriver, ça fait longtemps que nous marcher. Frère Maxime, bon Dieu, matin, il veut interpeller nous. Il veut bon Dieu, il achète en lait. Il veut que nous achète toute une réalité pour la vie, nous. Il veut nous redécouvrir le regard bon Dieu posé sur nous. Il doit faire nous un regard de cœur, un regard d'amour, un regard transparent, un regard aimant et compatissant, un regard de miséricorde. C'est parce que Zaché est touché par un regard ça, qui fait désormais le décider, il ne peut pas garder la ville même gens longtemps encore. Et c'est parce qu'elle est touché par un regard ça, qui fait que désormais le descend pied-bois, pour le faire, un regard ça, chita la Kaili. Et l'accepter, remettre sa patte pour lui. L'accepter, changer la ville, transformer, quitter la vie à transformer. Frère Maxime, yo, je dis à bon Dieu, invite nous-mêmes tout. On quitte le regard passé, qui tourne blessure ouverte pour nous, qui fait nous souffrir. On nous garde l'autre là, comme le monde, bon Dieu, confier nous dans la vie. Hein. Et particulièrement, Monseigneur Grand Jean, nous venons confier dans la communauté. Hein. Nous avons intérêt pour nous mettre ensemble avec lui, à toute expérience que nous avons comme aîné dans le ministère sacerdotal là. Pour que ici à tout bon vrai, tout un bel sanctuaire. Je t'ai fait ce peine pour demander, bon Dieu, don sanctuaire pour tout Haïti. Mais nous-mêmes, avec humilité, nous voulons prier pour un gros sanctuaire pour tout Haïti. Et c'est une décision conférence épiscopale, ça t'a doué. Mais ça, nous-mêmes, nous quoi? Dit sanctuaire diocésain, ça, pour les gens à fréquenter, pour qualité la vie spirituelle, n'a pas mené là-dedans. Pour style d'adoration qui est pour faire, pour style de ferveur qui doit gagner là-dedans, pour j'en abaille nous ensemble avec mon père, la vision qui est pour dégager, le regard, n'a pas sous lui, le regard lui-même, pasteur,
li gagne sous nous pour la mitan nous pour marcher avec nous pour derrière nous pour aucun monde pas perdu et puis pour devant nous pour montrer nous route là ensemble nous devons faire la tourner début sanctuaire pas nous sanctuaire Dieu saisin et qui sait et mon Dieu dépasser nous regarde mon Dieu al pilou passer par nous et si mon Dieu voulait que sanctuaire ça que évêque a cherché si mon Dieu met un fin à ça qui a passé Matisse et qu'a vienne tourner peut-être ou pas on connaît le sanctuaire national tout va on connaît. On dit déjà bon Dieu merci pour ça un gros bravo pour bon Dieu dans ciel. Frère Maxemio, puissance et force regard bon Dieu sous nous jodia doit éclairer cœur nous, éclairer la vie nous, éclairer conscience nous, éclairer jugement nous, éclairer décision nous gain pour nous prendre. Pour vision nous gain transformer. Pour vision négative, bagay, parlez-moi de ça, longe doit être sous l'une l'autre et critiquer moun négativement pour disparaître. Tout ça qui a porté destruction, mettez-le de côté. Tout ça qui tournait des fatalités, eh bien, mettez-le de côté. Tout désespoir, désenchantement, quittez-en côté. C'est dans le livre des rois, premier livre des rois, chapitre 19, verset 3 à 15, qui dit nous, laisse Samuel entrer dans le temple et que il y a la source vision. Eh bien, il y a un bagage qui arrivait. Le prophète l'a dit, en ce temps-là, il n'y avait plus de vision. La parole de Dieu était très rare. Comment vous avez une vision si la parole de Dieu est rare? Et comment vous avez une vision si le monde qui peut aider une vision n'a pas aidé? Mais les tuants fait qu'on est, c'est Samuel entrer dans le temple, la source la vie. Je dis, la lampe du Seigneur n'était pas encore éteinte alors que il était au cœur de la nuit. Eh bien, bon Dieu, montrez-nous, l'enfer noyau, c'est pour nous rejoindre vision ça. Rejoindre vie la prière, nous, vie la source la vie, pour que bagaille éclaire devant nous. Et voilà le sanctuaire, c'est ça. Mon peuple meurt et disparaît, faute de vision. Un roi, chapitre 19, verset 3, 15. Nous mettez, monsieur Grand Jean, ici, à l'enceinte salle, dans le sanctuaire, pour que ensemble avec lui, nous avons développé en vision, que ce soit dans le diocèse là, mais pas bon ici en tout. Ensemble avec lui, pour nous écouter lui, pour nous accompagner lui, pour nous bien accueillir lui, et puis pour nous mettre ensemble avec lui, pour que sanctuaire ça vienne jouer rôle, lui doit gagner, dans tout diocèse, en Savo et Miragouane. Et si la prière, c'est lieu qui a purifié vision nous, qui a lavé vision nous, il faut que nous rejoignions sans la prière, pas bon ici là. Et c'est pour ça, moi souhaiter que désormais, Jean t'a commencé à, et désormais pour prendre l'autre dimension, pour sanctuaire ça, nous tous conscients que jeûne qui fait ici à le mardi, la continue à augmenter, la participation, la don yo, la poter l'offrande, la vine la prière, la poter faveur, la adoration, la dévotion, pour que ici à tout bon vrai, katounen, lieu sanctuaire qui a aidé nous dégager une nouvelle vision dans le diocèse là. Vision, la vision ne dépend pas de la voir. Zachée aurait eu une grande vision. La vision ne dépend pas du savoir. Pharisien, qui se docteur la loi, il a une grande vision. La vision ne dépend pas du pouvoir. C'est pour ça. Pouvoir, l'entend ça. Politique et religieux. T'as bien t'as contre toute bagaille. La vision dépend, ne dépend pas de la stature. Zachée de tout coûte. Ça ne dépend pas non plus de la taille physique, de ce que nous pouvons appeler la taille spirituelle ou morale ou intellectuelle. Vision, il doit dégager à partir des regards bon Dieu gain sur nous, à partir de vision bon Dieu gain sur nous. La visibilité de l'amour dit qui on est. Ici en tout, tout le monde qui a la prière, il y a une transformation en vie pour retourner des vrais frères. C'est par ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Moun yo va ouais, yo va quoi? Vision qui dégage là, a dit qu'il y a des bagages sérieux qu'a fait par Borisia. Comme Zachée, frère Maxemio, on nous quitte, bon Dieu converti, regard par nous. On nous quitte, cœur nous changer par ça. On nous entrer dans une nouvelle vision. Bagayo, puisque la grandeur de l'homme est donnée par le regard de Dieu porté sur l'homme.
nouveau recteur, curé recteur, sanctuaire ça, il prend le temps pour bien garder nous. Nous-mêmes tout, il faut que nous prenions le temps pour nous bien garder. Dans le livre Antoine de Saint-Exupéry, le petit prince, il dit, pour vivre l'amitié, les hommes et les femmes d'aujourd'hui ne connaissent plus l'amitié. L'amitié ne s'achète pas au marché. Son bagage demande des temps pour bien garder l'autre là, bien garder pour ensemble. Là, il a cherché à comprendre l'autre. Il dit, si nous courons faire amitié, la base sur le bagage qu'il faut, on nous prend le temps pour bien garder l'autre. Il dit, je garde dans le coin de l'œil, ou même tout garder. Et puis, si tu veux, tu vas m'apprivoiser et moi aussi je vais t'apprivoiser. Vois tous nos amis pour moi. Et laisse ça a bien rythme dans la vie. Hein. Antoine de Saint-Exupéry, dans le moment de la Deuxième Guerre mondiale, là, eh bien, dans le moment libre, il était écrit bagaille ça yo pour rappeler nous l'importance du regard, pour construire la communion, construire l'unité, construire l'amitié et prendre temps pour yon apprendre à connaître l'autre. Bon Dieu, jetez le regard sur la communauté ça, qui est dans cinq petits chapelles, qui vit une paroisse sanctuaire, c'est parce que bon Dieu qu'on rêve pour nous. Le regard de Dieu est un regard rêveur, un regard d'espérance, un regard d'amour. Bon Dieu voulait ici tourner un lieu important pour toute communauté. Alors, nouveau berger ça, Manouan, c'est nouveau berger qui a aidé nous purifier le regard. Non. C'est nouveau berger qui a aidé nous notre regard sur la vie. Non. Son nouveau berger qui a aidé nous, ouais, ensemble, comment pour nous marcher, pour nous construire. Et nous tous, ni lui-même, ni nous-mêmes, nous qui pouvons arrêter, Jean la lettre aux Hébreux dit, chapitre 12, verset 1 à 4, nous devons avoir le regard fixé sur Jésus, qui est l'auteur et le perfectionnateur de notre foi. C'est Jésus qui a mené nous, et nous tous, à garder bon côté, pour ensemble, nous arriver côté lié. Je termine. Jésus jetait trois regards sur Pierre. Un premier regard d'enthousiasme. Les gardel, les changer non, les relil. Deuxième regard là, les bail Pierre, c'est regard de confession et de conversion de Pierre. Pierre était abandonné Jésus. Pierre était loin de la gardel. Il était presque dit pas nek pal, pas presque. Il dit m'pa konnek ça. En servant, elle dit Pierre, attention, hein, vous parlez même gens avec lui. Vous avez même dialecte là. C'est n'est pas lié. Pas dit en vérité, m'a connu trois fois. Jésus gardé, lui a dit non. Jésus pas reproché, lui gardé. Pierre tellement, ouais, regarde ça, profond. On regarde d'amour, Pierre crié. Il a dit non, il pleura amèrement. La caille nous dit, Pierre tellement de crié, il y a deux gros trous qui chaque bon gel qui était jusqu'à la fin de ses vieux jours. Troisième regard là, Jean chapitre 21. Jésus garde Pierre, il dit Pierre, souris même, remet l'autre. Souris même, prend soin de l'autre. Donc, trois regards à eux pour nous tous et pour nous chaque, les pour nouveaux pasteurs que nous avons. Jésus regarde Pierre et les mains. Il lui donna la mission d'aimer ses brebis. Il le regarda lors de son abandon et en silence, Pierre pleura. Jésus restitua Pierre à lui-même. Un jour, Jésus dira dans la deuxième lettre de Pierre, oui, je l'ai vu sur la montagne. J'ai vu sa gloire. J'ai vu sa grandeur. Je l'ai vu. Ce qui s'appelle vu. J'ai vu qu'il était comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour, eh bien, se lève. Et que l'étoile du matin illumine tous les cœurs. Deuxième lettre de Pierre. Frère Maxime, c'est le gars, ça a m'invité nous chaque et nous toutes nous prend. Pour nous accueillir. Monseigneur Grand Jean que mettez dans le temps nous. Pour ensemble avec lui, nous dégager belle vision, bon Dieu attend pour nous. Mais, il y a quelqu'un qui est là pour nous tourner la caille, nous, puis au parler. Même Jean-Moïse, qui a une beauté qui dégage dans nous, une irradiation, une belleté, et que Moïse est obligé de mettre en voile, parce que ça a été trop pour nous. Nous avons souhaité nous tourner la caille, nous tout. Regarde, bon Dieu, posez sur nous, pour nous voir, nous avons l'autre regard, nous plus souriant, nous plus accueillant. Nous puis comprendre le monde, nous moins juger le monde, nous surtout appeler tout le monde, garder côté bon Dieu, joindre notre vision pour nouvelle la vie, commencer la mi-temps nous. Que la Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, tourne son regard miséricordieux vers chacun de nous, puis pour que nous puissions nous aussi
jeter un regard d'amour sur nos frères et sœurs. Qu'il en soit ainsi. Bienvenue à Monseigneur Grandjean dans la paroisse là. Bon accueil. Vous-même, vous allez réserver à Monseigneur Grandjean. Et bon dimanche à nous tous. Amen. Nous sommes pratiquement à une autre partie de la célébration. Le père Emmanuel Volsi, qui est le secrétaire du conseil presbytéral, en lieu et place du chancelier, va procéder à la lecture de la lettre de nomination du nouveau curé. Après, le nouveau curé a gagné pour le professer la foi. Il vient pour le recevoir charge là paroisse la main monseigneur Dumas nous pour nous suivre avec un peu d'attention. Diocèse de Lansavo et Miragouane, bureau de l'évêque, nomination aux offices ecclésiastiques. Nous, Son Excellence Monseigneur Pierre-André Dumas, par la grâce de Dieu et par la bienveillance du siège apostolique, évêque fondateur du diocèse de Lansavo et Miragouane, par les présentes vos nommons, très chers fils et frères, révérend père Hervé Grandjean, à dater du 10 octobre 2022, curé de la paroisse sanctuaire Notre-Dame du Perpétuel Secours à Châlons pour une durée de 3 ans renouvelable, afin de partager avec nous, dans un esprit missionnaire, les soucis pastoraux de la nouvelle évangélisation et de la mission d'Aparecida, en conformité avec les canons 156 et 157 du code de droit canonique en vigueur dans l'Église. Vous aurez à cœur d'effectuer votre tâche dans un esprit de communion avec votre évêque et vos confrères, comme le demande la Sainte Église de Christ dans le canon 519. Le curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est remise en exerçant sous l'autorité de l'évêque diocésain dont il a été appelé à partager le ministère du Christ, la charge pastorale de la communauté qui lui est confiée, afin d'accomplir pour cette communauté les fonctions d'enseigner, de sanctifier et de gouverner avec la collaboration éventuelle d'autres prêtres ou diacres et avec l'aide apportée par des laïcs selon le droit. Nous demandons aux clergés et aux autorités civiles concernées de bien vouloir vous réserver
le meilleur accueil. En vous confiant la prière de l'Église et la nôtre, nous vous renouvelons, chers fils et frères, notre communion fraternelle pour votre nouvelle mission. Caritas Christi urget nos, en Savo, le 11 octobre 2022. Scellé et signé par l'évêque et le chancelier, Son Excellence Monseigneur Pierre-André Dumas, évêque du diocèse de l'Ansavo et de Miragouane, Père Julien Almonassi, chancelier. Moi, Hervé Grandjean, avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père, avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair, né. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition et proposée par l'Église pour être crue comme divinement révélée, soit en vertu d'une décision solennelle, soit par le magistère ordinaire et universel. Fermement encore, j'embrasse et tiens toutes et chacune des vérités que l'Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et les mœurs. De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux doctrines qui sont énoncées, soit par le pontife romain, soit par le collège des évêques, lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de les proclamer par un acte définitif. Et qu'on y est là, Monseigneur Dumas pour aller remettre Père V. Grand Jean, Chazub là, pour signifier que dans la paroisse là, il y a une charge d'âme pour l'exercer, fonction, enseigner, sanctifier à gouverner. Révérend Père Hervé Grandjean, la charge du sanctuaire t'a été confiée. L'Église, notre mère, veut que tu exerces ton ministère auprès du peuple. Reçois cette clé qui est le signe du pouvoir spirituel que désormais tu as, que le Seigneur t'accompagne et qu'il bénisse ton ministère ici et qu'il le porte à son plein épanouissement. Qu'il en soit ainsi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, distingués invités, voici désormais le nouveau curé recteur du sanctuaire.
prions ensemble, frères et sœurs bien-aimés, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure, que par l'intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours, nous recevions le don généreux et saint de ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir aujourd'hui notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. La nuit du bras trahit là,
Jésus prend père, l'aider au merci, les casser le bail partisan lio, l'aider yo. Manger la dalle notre toute, réellement vrai, ça c'est comme moi, ma baille pour nos même janto, le yo fait manger, li prend calis la, li tonne de o messi, li passe le bail partisan yo, li di yo, prend la dans non tout. Réellement vrai, ça c'est sans moi. C'est sans l'autre contrat qui va là pour tout temps. C'est sans qui pral couler pour nous, ak pour tout le monde, pour pardonner péché. Fais ça pour nous songer moins. Allons, belle merveille, non pas qu'à comprendre les mains, non quoi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Pierre-André et tous les évêques, les prêtres, spécialement Père Hervé Grandjean, et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur la communauté paroissiale qui accueille le nouveau pasteur, sur Samuel Virgile, en cette occasion de son anniversaire de naissance, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints,
qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere, Papa non, que l'ancien là, c'est pour vous, l'antéo ouvert, sauteia, tant qu'on a ciel là, c'est pour yon respecter nous, c'est pour yon reconnaître, c'est où qui roi, c'est pour volonté offert, sauteia. Dans le ciel là, mais nous besoin chaque jour, pardonner Jonia, pardonner ça nous fait, tant qu'on nous pardonne, mon qui fait nous qui chante, délivre, pété nous, en bas sa capa grave, papa non, que l'ancien là, c'est pour volonté offert, sauveille tant qu'on a ciel là. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps et à notre pays. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Commandement à convoité pour vous, louange à ton libre pour vous. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la chaîne du Christ, donnez-vous la paix. Thank you.
a la chance pour nous. Heureux êtes-vous d'être aujourd'hui invités au repas d'amour du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent tous pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, augmente en nous la force de ton action, afin que renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par la grâce de ton regard à recevoir les biens qu'il promet par le Christ notre Seigneur. Ensemble avec moi, nous tournons de bon Dieu, merci. Pour ça le faire pour nous ensemble. Merci, bon Dieu, merci. Merci, bon Dieu, merci. Merci, bon Dieu, merci. Monsieur Atuma, merci pour l'amour et confiance que vous placez dans moi. Nous avons fait travail là, comme on dit, une belle rencontre nous avons gagné. Nous avons travaillé ensemble pour sanctuaire capable d'arriver côté bon Dieu voulait qu'arriver. Merci pour soyez pour nous. Merci pour tout le bagaille. Tout confort moi qui là. Malgré dimanche, nous faisons plus de sacrifices. Nous vraiment nous toucher que moins et nous montrer moins tout. Vraiment, nous gagnons pour moi. Notre travail là, quand vous allez avec là, avec nous, les autres disent nous ça. Sanctuaire nous, la caille nous, nous ne pouvons pas venir à Miragouane pour ne pas passer, venir la caille nous, pour nous échanger. Capable de rafraîchir nous. Nous disons merci, bienvenue dans la caille. Merci en ville. Et parmi tous les confrères qui sont là, il y a quatre, je vais avancer, s'il vous plaît. Confrère-moi, tout si, au caille. Je vais avancer. Venez, non, venez, non, venez, non, venez, non. C'est gros. J'ai fort, j'ai fait, puis j'ai capable de venir. Père Lampi, on va te camper là. Non, ouais. Non, ouais, gagné. Nous quatre, ça qui est là. Nous quatre, là qui est là. Nous rentrons dans le séminaire. Ensemble, nous ordonnons ensemble. Donc, nous avons les quatre qui sont là, poisson crasé dans le bouillon. Nous disons merci en pile en pile. Nous avons notre confrère encore qui est venu, Monseigneur Lampi. Monseigneur Lampi, vous avez reconnu tout bien, café. Nous gagnons. Père Alain, il sorti au Kai, n'a pas voir ça, trémé. Et qu'on y a nous tous les quatre, là. Monseigneur Coulange, Monseigneur Gousse, Monseigneur Musalier, avec sa vie de nom. Et moi, vraiment content, content, en pile. Et ça fait que moi, Fayo, venir là. Pour nous capables, voyons, donc avec la tête dit nous tous confrères, là nous-mêmes nous besoin, venir la prière sur Tiokai, venir la sanctuaire nous, pour nous chiter ensemble, pour nous la prière. Merci à vous, on va vous tout le monde. Merci à vous. On dit, bon Dieu merci, avec nous merci, confrères moi merci,
Et nous tous, même chorale là, musiciens, nous tous, évêque là, nous tous bagaille déjà. Nouveau regard. Gardez-moi l'autre chant, gardez-moi l'autre chant, n'a pas avancé. D'accord? C'est nouveau regard. Et tout le monde, il se dit bien loin, en pile côté. Nous avons musiciens là, nous avons une nouvelle équipe, qui sont venus à trois autres jeunes, qui ont donné nos coups de main, pour qu'on fait travail là, marcher puis bien toujours. Et je dis à c'est un commencement. Et nous avons parlé plus souvent avec nous là. Dieu merci, en pile, en pile. Nous tous faisons un gros déplacement. Famille moi, neveu moi, nièce moi, nous tous, pas de bouche. Et en plus, nous sommes sortis, rivière, dans ces salles, partout, nous tous, nous équipe sortis à qui, vieux Bouddha qui, nous tous, merci. Merci à pile. Et nous connaissons que, sanctuaire là, la caïnou, puis qu'à nous aider. Pas quitter une semaine passée, non, je même pour nous pas piler sanctuaire non. Très important. Merci en pile. Toutes jeunes, ils sont en pile de côté, ils ont coup de main, décoration avec un fan de cœur, Chalmaï, toute équipe monde qui est là, et nous tous, nous n'avons que moins. Moi, côté sur nous, n'a pas la prière avec moi, y'en a pas de l'autre, qu'a passé, puis devant. Comité accueil, que, Père Wisley, te, dit que nous cap vini, pour nous bailler coup de main, c'est belle bagaille, à travailler ensemble. Merci, merci, nous toutes, radio, eh bien, tout le monde, qui est là pour couvrir, évidemment ça, merci en pile. Et nous avons un monde qui parle là, frérot, côté lien, la fait travail là, Red Marie. Toute équipe là, merci en pile. Nous gagnons la messe demain, si Dieu veut, à 7 heures. Après la messe, réunion avec tout le comité, choral, groupe qui est là. Demain, si Dieu veut, avec monde que nous gagnons, infatigable, venir avec toute équipe Lyon, chapeau bas. Belle bagaille. On fait réunion à 4 heures. Demain, si Dieu veut. Après ça, mercredi, c'est réunion avec tout le monde, net allé. Toutes nos tables, tout le monde. Les gens qui étaient dans le choral, depuis 1804, les gens qui sont là, qu'on est là. Les gens qui sont là, qui partent là, vous là, puis papa, tout doué là. Pour nous tous, je suis ensemble, pour nous tous connaître ça que nous avons fait ensemble. Mercredi, 4 heures, nous avons fait ça. Et pour finir, mardi, si Dieu veut, c'est premier. D'accord? Pour nous tous, faire tout j'ai fait nous, premier mardi, il y a là. On a pas le fait, un gros la prière, on a offert by bon Dieu 12 heures de prière. 6 heures du matin pour 6 heures du soir. M'a dit si Dieu veut chercher les panneaux adoration, la prière, pas seulement appel de rien qu'à sortir l'autre côté, nous tous en premier, nous avant 6 heures du matin, on a commencé et demain je vais m'abonner au programme là. On a bien 12 heures de la prière, 6 heures du matin ou 6 heures du soir, on a commencé avec ça, d'accord? Tout le monde. Et puis, le 2, nous connaissons ces messes, on a prié pour tout défendre nous, on a préparé nous, le 2, on a gagné 3 messes. 3 messes le 2. Mais 7 heures du matin, on a gagné messe à midi, et après une messe encore, après-midi à 5 heures. Donc là, tout le monde, le 2, a fait ça très bien.
Merci en pile. Bon Dieu, bénis-nous. La prière pour moi. La prière pour nous. Ça qui est important pour nous, nous n'avons et d'amour pour nous. Merci en pile. Nous disons un gros merci à Monseigneur Grandjean, Hervé Grandjean, qui a accepté la nomination ça qui va le travail en mi-temps. Merci pour tout le travail qu'il va le faire. Un gros bravo encore pour Monseigneur Hervé Grandjean. Voilà. Nous saluons et remercions tout le monde qui va là. Révérend Père Hubert. Hubert, nous connaissons un frère qui a eu un problème depuis l'année dernière. Qui mourit avec un coup de bâton dans les États-Unis, bah, ça a fait souffrir en pile. Et il n'y a pas qu'à l'âge quand on voyageait, mais Léon Père, l'église a été confiée à une paroisse. Le travail que le fait, c'est en continuité avec l'autre qui est venu avant. Ça veut dire, ça qui était fait, Jean l'a fait, comment l'a fait, on a dit, bon Dieu, merci pour ça. Un gros bravo pour Père Hubert, même s'il va là à terre. Et Kounia m'a profité. Rappelez-nous que 1er novembre, c'est dédicace de la cathédrale Sainte-Anne. Donc, c'est après Fondation Diocèse à 10, le 13 juillet 2008. Le 1er novembre 2008, là, m'a été entré, fait prise de possession de cathédrale. Là. Donc, toujours une grande messe solennelle. L'année, ça a été innocent qu'à venir, mais à cause de la situation pays, m'a parlé à Albaris, m'a dit de les mettre campés. Nous renvoyons à Sinédié, n'a pas qu'il est le cas fini. Mais c'est à 8h30, monde qui est capable, vous êtes tous invités pour la traditionnelle célébration de la dédicace de la cathédrale Sainte-Anne de l'Ansavo. L'autre annonce que nous gagnons encore, et dimanche 6, il y a installation et prise de possession canonique de la co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Miragouane avec Révérend Père Lila. Père Wisley, Père Wisley Jean-Charles, ancien curé, petit fondateur. Mais là, c'est lui qui doit, hein, qu'on y a avancé, grand Jean. Père Wisley, vous allez saler à 10h, nous invitons. À 10h, comme nouveau curé recteur de la co-cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Donc, nous tous invités, depuis avant 10h, nous tous doués là, nous permettons à 10h pour que toute Père qui a venu encore. Parce que, prise de possession canonique, installation nouveau père, parce que ici on nous dit, nous pas le placer père, nous on le marier là par rapport à ça. Ça veut dire son événement va nous toutes là, nous toutes invités. L'autre annonce que nous avons encore, c'est que gen diak ça ba kembe pou. Diak ça, c'est un diak diocèse là qui s'est formé dans le séminaire Saint-Jean-Baptiste Marie Vianney. Donc Saint-Jean-Marie Vianney à Ars. Monsieur vient former, mais nego dit monsieur quand est un petit français, hein, mais c'est chouette hein. Alors. Donc, il y a pas monsieur, mettez la réalité peuple là, reprend bagayo. Il s'appelle Diak Woodley Pierre. Donc, mais il a la mitano, posez un regard sur lui, lui-même l'a posé un regard sur nous tous. Un gros bravo pour Diak Noir. Pourquoi il a envie de dire Kishoy? Ah, monsieur, il a envie de faire un coup de voile. Tu as dit Kishoy, tu diras quelque chose au peuple de Dieu. Tu as dit. Il était ordonné par. Bonjour à vous tous. Moi, je suis Woody Pierre. Donc, moi, j'ai été ordonné diacre 25 juin qui s'est passé par Monseigneur Joël Mercier. Donc, c'est dans le diocèse Belle Ars. Je suis incasé dans le diocèse en Savo, Miragouane. Le Seigneur soit avec vous. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous, frères et sœurs.
Jésus.